à tous. Bon, je suis très concerné depuis que je suis dans ce nouvel atelier par la poussière. Donc, je me suis fait des embouts pour mon aspirateur pour que ça aille un peu partout. Alors là, ici de ce côté. Alors, pour pouvoir en mancher différemment, dans différents outils, dans différents... Voilà, parce qu'ils n'ont pas tous le même diamètre. Alors, je suppose que vous savez comment en mancher deux morceaux de PVC. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous faire voir. C'est-à-dire, on prépare un petit peu l'entrée. Un petit peu, juste, voilà, pour enlever un peu les bavures, les cils et là, voilà. Ensuite, eh bien, on chauffe au pistolet thermique, jusqu'à ce que ça devienne assez mou pour pouvoir pénétrer dans l'autre partie du tube. Ça devrait suffire, et comme ça on pénètre dans l'autre partie du tube si ça veut y aller. Oui, presque. Voilà, alors vous tournez un peu pour que ça aille assez loin. Voilà, maintenant vous avez plus, si vous faites des canalisations quoi que ce soit, ben vous avez plus qu'à coller avec du ciment pour PVC et ainsi de suite. Voilà, voilà le joint. Voilà, et donc là vous pouvez l'adapter sur des suivant la grosseur, bien entendu, le diamètre. Vous pouvez l'adapter sur des appareils comme ceci là. Celui-là, il a son diamètre, d'autres diamètres, ainsi de suite. Donc je m'en suis fait plusieurs pour aspirer les poussières. Bon, ça c'est une chose. Là on agrandit le diamètre. Et pour le rétrécir, eh bien, il y a aussi une solution. Je vais vous la faire voir. Alors voilà le montage de ce tuyau que je viens de chauffer parce que ça demanderait trop de temps devant la caméra. Donc il y a un fil qui va jusqu'en bas. Je l'ai accroché pour faire du poids à un petit étau. Et en haut, il est accroché à une poutre, tout simplement. J'ai fait trois trous dans le... en haut et en bas du tube, et j'ai chauffé au centre. Alors c'est pas mal quand même, je trouve, parce que je vais vous faire voir le centre. Donc qui a rétréci, le centre est à 36,5, si vous pouvez voir. Là, pardon, 36,5, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, et l'original, ici là-haut, l'original était à 44,5, ce qui fait quand même 8 mm de moins. Alors, pardon, là j'y vois mal, hein. Voilà, vous y voyez là?
je sais pas trop, bref. Voilà. Ça fait 8 mm de moins de... Il a rétréci de 8 mm. Je pense que... Voilà. Le voilà. Je pense qu'en insistant, la chauffe, et en mettant peut-être un poids un peu plus conséquent en bas, je pense qu'on peut encore réduire de 3-4 mm. Après, je ne sais pas, il pourrait casser, il pourrait... Mais enfin, bon, c'est déjà ça. Voilà, voilà. Allez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, et si c'est là, enfin... Et même de partager la vidéo. Allez, au revoir, à plus tard.